Pour cette lutte gréco-parisienne vont s'affronter le français parisien énervé en scooter sans gêne, sans limite et sans cerveau et l'italien automobiliste expérimenté formé dans la jungle urbaine napolitaine. Attention, c'est parti! Et le français qui crie en feu rouge d'entrée! Oh! Connard, la priorité! Quelle priorité, quoi? T'avais une priorité ou t'avais une priorité? Le feu, le gris, t'es chez toi! J'ai rien grillé du tout, moi! Mais, ça y est, les deux athlètes sont bien chauds, là! Mais fais gaffe avec ton scooter de merde, là! Ils sont bien vénères, là, hein, ça peut péter à tout moment! Mais quoi, mais j'ai pas besoin de toucher taper la merde, j'en ai rien à foutre de ta caisse pourrie, là! La lutte ne devrait pas tarder à commencer! L'orital devrait craquer en premier! L'italien, pour employer un terme plus technique! Moi, je suis chez moi, moi, ici! Chez toi de quoi, va? Il a craché par terre, c'est le signal. Ça va partir en couille à n'en pas douter. Je vais te faire danser, moi. Ah ouais, vas-y, viens me faire danser. Ah, je veux que je te fasse danser. Ça y est, c'est parti. Petit round d'observation, on se jauge. Qu'est-ce qu'il y a toujours? Viens. On se renifle le cul, comme on dit. Bien sûr, mais toujours dans le respect de l'esprit coubertin. Ah, ça pince, ça claque, on la joue à la chinoise. Oh, hé, viens, viens. Hé, on refait pour voir. Putain, ça... Culé. Aïe, aïe, mais il pique, t'as fait mal. Mais dis donc. Allez, viens là, le français. Tiens. Allez. Hop. On passe en mode lutte, les choses sérieuses commencent. Oh, le serre-tête, ça se fait pas, ça, Gilles. Je rappelle la règle, Patrick. Tous les coups sont permis tant qu'on a le permis. Tentative de soulevage, popularisée par le fameux Hulk Hogan dans Rocky 3. Sans doute le meilleur opus. Oh, putain, culé. Il a refait. Putain. Tu refais une troisième fois? Oh putain, dans l'œil! Aïe! Oula, tirage de cheveux, c'est fourbe, mais c'est beau. C'est pas pour rien que le champion du monde de la catégorie est chauve. Très bon choix stratégique, la calvitie, même si handicapant dans la vie. Même si Patrick, il a de très beaux chauves. Il y a surtout beaucoup de gars qui se prennent pour Jason Statham alors qu'ils ont la tête de Benjamin Nivet. C'est pas faux. Ah, bien sûr, ne jamais se laver avant l'épreuve, hein, c'est primordial. La morsure du cobra de Valparaiso. Clé de pied, ouh, aïe. Oh non, le coup fatal. Ah oui, oh là là, c'est l'abandon pour le français. Et c'est l'italien qui gagne. L'italien ne l'a pas volé cette fois. Sous-entendu? Non, rien, Gilles. Merci, Patrick.